Ok, je suis de retour. Excusez-moi pour cette petite coupure. Alors, on en était là. Voilà. Le point d'entrée est là-bas. Il va être un petit peu long celui-là, j'ai l'impression, hein. Forcément, là, il n'y en a pas. Wow, comment ça? Comment ça se répand? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon, ok, d'accord. Va falloir après que je dézoome. Ici, j'aimerais résoudre l'énigme. Oui, bon, bah, il y en a une ici, quoi. C'est pas compliqué. Ici, eh ben, c'est pas compliqué, hein. Il y en a une là, et puis il n'y en a pas là. Puis il n'y en a pas ici, ici, et il y en a une là. Ok. Du coup, il va falloir que je dézoome un petit peu. C'est bon, j'ai mes trois. Du coup, lui, on est bon. À pouvoir s'axer un petit peu ici. Hop. Il y en a une là. Donc, il y en a une là. Une là quoi. Une ici. Pas là, il n'y en a pas là, et il y en a une là. S'il n'y en a pas, ici, il y a un 0. Ici, il y a un 0. Ok. Ce qui nous permet de nous déployer. Une ici, ouais, donc ok, il y en a une là. Deux dans le coin, sachant qu'on en a déjà une. Donc dans cette case, dans ces quatre cases-là, il y a une mine. Je sais pas pourquoi je dirais qu'il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là non plus. Du coup, bah, les deux mines. Ah non, j'en ai déjà une. Je dirais qu'il n'y en a pas là. Ouais. Non mais, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je dirais qu'il y en a une là.
Cette condition-là est remplie, donc il y en a une là. Un indice? Pourquoi faire? Non mais... Excusez-moi, je trappe un peu trop la confiance. Voilà. Il n'y a qu'un seul point d'entrée, ouais. Il est là. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais là je progresse. Je suis un peu concentré, je vous avouerai. Ah oui, parce qu'en fait il y avait un mur là, c'est pour ça que fallait que je trouve les 13, enfin toutes les mines qu'il y avait là. Alors, ok. Non mais ah d'accord, carrément.
Ici. Et ben voilà. C'était un peu long. Et vous avouerai que je commence à fatiguer un petit peu, mine de rien. On va essayer de terminer cette île, mais c'est pas dit que j'arrive. Je fasse pas une coupure avant d'arriver à la fin. Dézoomer un poil. Je vais essayer de prendre toute la figure. Ouais. Le tactile d'ordinateur. Hein. Hop. Bon, on va essayer de déminer un peu tout ça. Non? Ah oui, non, elle est remplie cette condition-là, désolé. En effet, elle était remplie ici, je l'ai juste pas vue. Ici, forcément, il y en a une là, donc pas là. Et là. Là forcément. Je dirais qu'il n'y en a pas là. Voilà. Parfait. Et donc il y en a une là. Et ça m'aide. On va faire la petite île en haut. Ou pas. Ou pas. Qu'est-ce que je fais? Ouais, la fatigue commence vraiment à se ressentir là. Bon, on va faire la petite île en bas. Ça m'aide vachement ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais nimp.
Il reste 3 mines. Deux mines. Ben voilà. Comment ça? Ah oui, effectivement, ça peut ne pas être. Je suis désolé, je parle plus. Je parle tellement plus. Désolé. Ça y est, je suis dedans là. Non, sérieusement. Ah, mais. J'ai commencé à parler, ça y est, j'ai fait des conneries. Ouais, du coup, là, il y en a une là. S'il n'y en a pas. Il y en a forcément une là, il n'y en a pas là. N'y en a pas là. C'est dingue quand même comment rajouter des règles peut simplifier le jeu. Parce que le démineur, les règles sont extrêmement simples. Et pourtant, c'est pas évident. Et là, le fait de rajouter. Non, pas d'indice pour le moment. C'est bon, j'avance. Bah 4 étoiles. Oui, donc je disais, voilà, les mineurs, les règles sont extrêmement simples, mais c'est pourtant assez compliqué pour beaucoup de gens. Et là, le fait de rajouter des règles, je trouve ça méga. Ah oui, d'accord, ok, carrément. Je trouve ça méga plus simple, quoi. Ok. Donc ça spread comme ça.
elles sont là, les domines. Ici. Ben, il y en a une là, et il n'y en a pas là. Quoi? Ah, les... D'accord, ok, ouais. Bah, oui. Ok, excusez-moi, c'est... Voilà. Va falloir que je m'arrête. Parce que j'ai le cerveau en compote, là. Ah bah, pas compliqué. Excusez-moi. J'avais mis une alarme pour passer sur un autre jeu. Donc je vais passer après à ce niveau. Wow. Pas évident celui-là. Bon, je passe juste rapidement sur l'autre jeu. Je vous reprends tout de suite après. Ok, on reprend. Excusez-moi, je joue à un autre jeu à côté et je devais collecter des ressources. Mais c'est pas un jeu que je tourne. C'est pas un jeu sur lequel je tourne. Coincé là. Bah non, je suis pas coincé. On va dire que je commence à rentrer dans la tête des devs. Est-ce que j'arrive à deviner où sont certaines mines ou certains choix ont été faits?
Attendez, je vérifie un truc, mais... Non, non, mon micro est bien ouvert. J'avais un doute. Super. Ça m'aide pas du tout. Chance sur deux, ouais, bon, bah voilà, hop. Saloperie. Ouf, ça va être compliqué. Ah non, ça va en fait.
Ouais. Ouais. Qu'un? Ah oui, putain, d'accord, ok. Mais... La fatigue. Là, du coup, il y en a forcément un là et pas là. Excusez-moi pour cette toux. Va dézoomer un poil. Voilà. Je fais plein de conneries, hein. Je suis désolé. Quoi? Ah, exact. De par là. Alors, voyons, c'est logique. Là, c'est de la pure logique. Donc, il me dit qu'il y en a deux. Il y en a deux parmi ces six cases. Ici, il me dit qu'il y en a deux parmi ces trois cases. Ici, il me dit qu'il y en a trois. Ouais, donc il en reste deux parmi toutes ces cases. Du coup,
le plus petit dénominateur commun, c'est ces trois cases-là. Du coup, il y a une case qui est bonne. C'était celle-là. J'avais un peu une chance sur trois, mais j'étais quasiment sûr que c'était la plus proche des indices. Je vous ai dit, je suis rentré un peu dans la tête des développeurs là. Quatre-vingt-neuf%, on va y arriver. Là, je revérifie, mais ouais, par là j'ai tout fait. Bien! Et bah, ben, ça progresse bien, mine de rien. Ça progresse bien. Vous avez peut-être pas compris ce qui s'est passé là. Parce que là, si vous voulez, il faudrait revenir en arrière, mais là, il y avait deux mines sûres. Et là, il me disait, vis-à-vis du 2, là, je savais qu'il y avait une mine soit là, soit là. Et du coup, vu qu'il manquait une mine, je savais que la mine, elle était là ou là. Et donc que ces trois cases-là pouvaient pas contenir de mine, grâce à cet indice-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ces trois cases-là, c'était sûr qu'il n'y avait pas de mine grâce à cet indice-là. Parce qu'il y avait forcément. La dernière mine était forcément sur une de ces deux cases-là. Voilà. Je suis venu un peu vite sur cette logique, mais. Un indice? C'est pour les 5 dernières cases là-bas? Ouais, bah vas-y, let's go.
Non? Donc c'est là? Donc il y en a forcément une là. Oh, un cœur. Là ou là? Je dirais qu'il y en a une là. Non. J'avais pas vu cette case-là. Wow! Oh, la fatigue! Attendez, du coup, il y en a une là, pas là, pas là. Il y en a une là. Du coup, là, j'avais une chance sur deux, hein. C'est bon. Je dirais qu'il n'y en a pas là. Putain. Allez, on y est presque. Juste un peu de concentration.
Et eh ben, ah, ouais. Je vais venir. Sérieux? Sérieusement. Donc la même logique. La même logique. Vous voyez, j'ai un 2 là. Qui m'a dit que là où là, il y a une mine. Et là, j'ai le 2 qui me dit que il y a une mine dans ces cases-là. Donc je sais que ces cases-là ne sont pas minées. Bon, ça me dit toujours pas laquelle des deux est minée. Mais j'avance un peu. Et notamment, je découvre deux mines ici. Là, j'ai même logique. Cette mine-là ou cette mine-là est minée. Ah oui, mais. Je dirais que celle-là est minée. Non. Donc celle-là n'est pas minée. Et du coup, c'est celle-là qui est minée. Par contre, du coup, pour remplir cette condition du 3, là, cette mine-là est minée et ça me remplit ma condition du 2, là. Voilà, on est OK. Donc là, pareil, mon 2, là, j'ai mes deux mines. Hop, pas de soucis. Ah non, elle est déjà remplie cette condition.